Boker Tov, nous sommes le 2 juin 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. À Jérusalem, nous retrouvons ce matin Daniel Haïk et Daniel. Les manchettes des quotidiens israéliens ce matin sont essentiellement à caractère politique. Oui, et au cœur de ces manchettes, le ministre de la Justice, Gideon Saar, qui pourrait avoir mené ces derniers jours des tractations avec le Likoud en vue de la formation d'une coalition gouvernementale alternative. Hier soir, lors du journal télévisé de la chaîne 12, Gideon Saar a formellement démenti l'existence de contacts avec le Likoud, mais il a formellement refusé également de prendre l'engagement de ne pas siéger aux côtés de Benjamin Netanyahou, ce qui représente un changement de taille par rapport à son positionnement traditionnel. Le Israel Hayom titre ce matin « La balle est dans le camp de Gideon Saar » et le quotidien gratuit stipule que des messages ont bel et bien circulé ces derniers jours entre le Likoud et le parti Nouvel Espoir. La coalition lutte actuellement pour enrayer cette nouvelle tendance, titre le Yediot Acharonot en manchette, avant de mentionner l'ultimatum un plus lancé hier par Saar autour du vote de la prolongation du décret visant à placer les habitants de Judée et de Samarie sous l'entière législation israélienne. Si ce vote n'est pas validé lundi prochain, Saar pourrait alors envisager l'option d'un gouvernement alternatif, peut-être donc avec le Likoud, affirme le Yediot Aharonot. Yuval Karni titre son éditorial à ce propos lorsque la coalition décide de se saborder et il écrit « Si Saar parvient à la conclusion que l'actuelle coalition n'est plus viable, alors il devra prendre des décisions. Ce sera certes terrible pour lui de siéger dans un gouvernement avec Netanyahou, mais cela le sera encore plus d'aller vers des élections alors qu'il n'est pas du tout certain de passer le seuil d'éligibilité. » Le Maariv cite également Gideon Saar qui affirme « Mes positions n'ont pas changé, mais qu'il a encore refusé de promettre qu'il ne siégera pas aux côtés de Netanyahou. » Et puis le Yediot revient ce matin encore sur le procès de Benjamin Netanyahou et sur les lacunes recensées dans le travail du parquet. C'est Ariella Ringelhoffman qui écrit ce matin dans son éditorial que le manque de professionnalisme du parquet relevé lors du contre-interrogatoire de Shlomo Filbert, le témoin à charge, porte atteinte à la crédibilité de l'institution aux yeux du public. Lorsque ce procès sera étudié dans les facultés de droit, écrit-elle, personne parmi les professeurs ne pourra expliquer les négligences du parquet depuis le début du dossier. Et Ariella Ringelhoffman d'énumérer la longue liste des bévues commis donc par le parquet, ce alors que ce sont des centaines de juristes qui, écrit-elle, ont travaillé sur ce cas exceptionnel. Et puis le Israel Hayom se fait, lui, l'écho de secousses sérieuses au sein de la direction du Fatah. Selon ces informations, le statut du raïs palestinien Mahmoud Abbas ne cesse de se fragiliser. Il aurait actuellement perdu sa majorité automatique au sein de la direction du Fatah. Abbas, qui a 86 ans, a nommé le ministre Hussein Asher, qui est son proche conseiller, à la direction du comité central de l'OLP. Et cette nomination ne plaît pas du tout à d'autres factions au sein du Fatah qui sont de plus en plus hostiles ouvertement à Abou Mazen. Ces factions sont opposées, entre autres, à la poursuite de la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne. Une déclaration plutôt inquiétante de l'ancien chef du Mossad, Tamir Pardo. Pardo a affirmé effectivement lors d'un exposé devant l'école supérieure, le collège supérieur de Netanya, qu'Israël progressait vers son autodestruction. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Selon lui, l'État d'Israël est à la fois riche et pétillant, mais également totalement clivé et saignant. Selon lui, l'une des raisons de cette division interne est à mettre au compte de l'actuelle opposition qui a décidé de paralyser l'activité du gouvernement et qui refuse de s'adresser à Naftali Bennett comme un premier ministre légitime. Mais Amnon Lord, dans le Israel Hayom, déplore ses paroles anxiogènes. Il insiste sur le fait que l'État hébreu est aujourd'hui devenu un véritable État prospère. Et puis c'est l'actualité du jour. Tous les quotidiens et les sites d'information mentionnent ce matin la tenue à Jérusalem aujourd'hui de la Gay Pride annuelle. Célébration et état d'alerte, expliquent les quotidiens en soulignant que des milliers de policiers assureront la protection des participants à cette Gay Pride dans les rues de la capitale et en particulier cette année après que des députés et des responsables de la communauté LGBT de Jérusalem aient reçu ces derniers jours des menaces de mort. Un sort semblable à celui de Shira Bonnke vous attend, était-il écrit dans ses lettres de menace. Shira Bonnke, c'était cette jeune militante LGBT qui a été assassiné il y a 7 ans lors de la Gay Pride de Jérusalem par un extrémiste orthodoxe qui a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité plus 30 années de détention.
Israël Ayom fait état d'une décision très controversée dans un lycée de Rehovot. Oui, les élèves de la classe de 5e d'un lycée de Rehovot ont dû, dans le cadre d'un cours d'histoire, créer des modèles de pratiques chrétiennes. L'un des parents a été plutôt stupéfait de découvrir que son fils avait choisi de dessiner un portrait de Jésus. Certains parents se sont plaints à la direction en affirmant qu'il ne s'agissait pas là d'un cours d'histoire, mais d'une activité à caractère missionnaire. L'avocat Roni Sassover, qui préside le forum des parents d'élèves en faveur de la tradition juive, a exprimé son étonnement du fait que quelques jours avant la fête de Shavuot, du don de la Torah, eh bien on enseigne dans un lycée juif des motifs purement chrétiens. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse, l'émotion. Daniel était au rendez-vous hier à l'aéroport Ben Gurion avec l'arrivée de 180 olim éthiopiens. Oui, cette arrivée marquait la reprise de l'acheminement de olim éthiopiens après plus d'un an d'interruption. Ce sont près de 3000 juifs éthiopiens ayant de la famille en Israël qui vont monter au cours des prochaines semaines en Israël en provenance d'Addis Abeba. C'est la ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, Pnina Tamanochete, elle-même originaire d'Éthiopie, qui a été le catalyseur de cette nouvelle vague d'Aliyah d'Éthiopie.